Salut les filles, salut les gars, j'espère que la petite famille va bien, ça, j'espère que les enfants vont bien aussi et que vos animaux, pour ceux qui n'ont, vont bien aussi. Et puis pour ceux qui sont célibataires, j'espère que vous allez bien aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, l'amour est pas loin. L'amour est pas loin. Et là, alors là, le petit sujet, il est marrant. Franchement, moi, ça m'a fait rire. C'est pour ça que je. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, allez hop, faut que je le dise à ma team, faut que je dise ça à ma team. Parce que ils vont montrer leur belle maison. Regardez-moi ça, j'ai du marbre partout. Ma maison, elle est en tout tac, 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 tac. Ta. Bah ouais. Mais le problème, ce qui s'est passé dans les petites maisons à Dubaï. Oui. C'est les petites maisons de Dubaï. Ouais. Il y a des petits. Non, non. Il y a des petits soucis. Oui. Ils n'avaient pas prévu. Ils n'avaient pas prévu Dubaï qui vient là. Ils n'avaient pas prévu Dubaï qu'ils tombent de l'eau. Là, ils ont eu des trempes d'eau, de la flotte, de la flotte, de la flotte. Bah oui. Mais le problème, c'est que tout ce qu'ils ont pris, les matériaux, les trucs pour les maisons. Bah ouais, mais le problème, tout a pris la flotte. Parce que c'est pas des bons matériaux. C'est pour ça que leurs maisons ne valent pas. Valent pas si cher que ça, comme ils font croire à tout le monde. Parce qu'en fin de compte, c'est des matériaux première matière. Donc les coûts les moins chers. Et puis bien sûr, eh ben, c'est des trucs pas étanches pour les flottes, les inondations et tout ça. Donc tout cela, la seule qu'on a parlé tout au début, c'est Mila qui s'est plaint de ça. Mila, non, Sarah Frézou. Comme elle faisait sa maison, qui s'est plaint aussi, que dire, bah ouais, ils ont pas prévu les inondations, ils ont pas prévu l'humidité des murs et tout ça. Et là, il y a une autre petite fille de télé-réalité, Madame Maëva Guénam, qui est en train de se plaindre que sa maison, elle est le marbre en train de se casser, en train de pourrir, en train de moisir de partout. Il y a de l'humidité partout dans sa baraque, elle est dans un état. Mais alors je vais vous mettre le petit audio où qu'elle se plaint, il n'est pas si long que ça, mais ça vaut le coup d'entendre ça. Ça vaut le coup, je vous le dis. Mais avant que je te fasse écouter leur petit problème de faux riche, on va dire, faux riche, eh ben j'attends ton abonnement. Ouais. Allez, laisse-moi le petit abonnement et moi je t'envoie l'audio. Allez, je vous fais écouter les petits malheurs avec la maison de Madame Maëva Guénam. Aujourd'hui, mes amours, j'ai pas arrêté. Là, je viens de rentrer à la maison. Ma grand-mère, elle devait faire le couscous, finalement, elle le fait demain. Je suis trop énervée. Je supporte plus ma chambre. J'ai téléphoné à la maintenance. J'ai le marbre de ma chambre, de ma salle de bain, qui a changé de couleur. Je vais vous montrer. Il y a de l'eau, il y a des infiltrations de partout dans la maison. Tous les jours, on appelle la maintenance. Il y a toujours un problème. Je vous jure, à Dubaï, il y a toujours des problèmes dans les maisons. C'est incroyable, ça me fout les nerfs, ça me fout les nerfs. Regardez comment c'est dégueulasse. Là, j'ai fait réparer, ça a sauté. Mais regardez, c'est. J'en peux plus, ils viennent de La venir, flotte ils viennent partout. tous les jours chez moi. La flotte partout. Tous les jours, je me bats avec la maintenance. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ils viennent tout le temps, il y a toujours un problème. Et c'est pareil chez les tantes. J'en peux plus, j'en ai marre. Aujourd'hui, mes amis. C'est partout chez tous les Dubaïotes. Tous les Dubaïotes ont des problèmes avec leur maison. Bah, hey, ils ont pas l'habitude d'avoir la flotte là-bas, hein, un désert. Hein. C'est ce Dubaï, c'est un désert à la base. C'était eux qu'on construit la ville de Dubaï, parce que là-bas, c'était un désert. Et du coup, bah, il n'y a pas beaucoup de pluie dans les déserts. Bah ouais, mais là, ils en ont eu de la pluie. Ils en ont eu. Mais leur maison, ah bah, elle a pris l'eau. C'est des maisons en carton. C'est des maisons en carton qu'ils ont. Oh, je suis méchante, franchement. Je suis méchante. Mais non, mais ça me fait rire. Parce que ils font montrer leur maison. Ouais, regarde ma maison, regarde ma maison. Mais le problème, ouais, bah, vous pouvez acheter autant de maisons que vous voulez. Bah ouais, bah oui, parce qu'ils sont pas si chers que ça. Bah oui. Hein, les matériaux, c'est des matériaux premiers. Hein, première qualité.
Et en plus, c'est, je suis sûre qu'il y a une tempête, tout s'en va comme des cacahuètes, hein, j'en suis sûre. Bah, franchement, oh ouais. Et vous avez vu la chaîne incertaine à la vitesse qu'ils sont montés, là, des fois? Moi, je vous dis, hein. Ah non, mais tiens, laisse-moi un petit like si ça t'a plu, la petite info que je t'ai trouvée, là, sur les petites maisons de Dubaï, là, qui sont tous en train de baigner dans l'eau. Et en plein d'humidité partout, 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 partout. Ben voilà, ils veulent faire montrer qu'ils ont plein de fric. Ils veulent faire montrer que la preuve que Dubaï. Puis Dubaï, il y a beaucoup de soucis à Dubaï en ce moment, même pour eux, hein. Il y en a beaucoup qui seraient, selon une de mes sources, il y en a beaucoup que le fisc. Oh, c'est moi! Que le fisc. Bébé, t'es chiant! Que le fisc est derrière le cube de beaucoup, 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 beaucoup d'influenceurs et tout ça. Bah, vous avez bien vu, quand je vous disais dans une de mes vidéos, Barbara Hosmer, bah, elle, c'est pareil, elle pensait que ça allait, comme c'était une petite jeune de télé-réalité, elle gagnait beaucoup d'argent, mais pas, elle s'est dit, elle n'en gagne pas assez pour être inquiétée par le fisc. Hein, elle dit, oh, je suis une petite, il y en a déjà, il y a des gros salaires qui vont bien. Eh ben non, ils vont quand même s'attaquer toujours aux plus petits, hein, toujours aux petits riches, aux petits nouveaux riches, hein, ils attaquent. Alors eux en plus, Dubaï, il paraît qu'ils les ont dans le collimateur avec toutes leurs vidéos et tout leur bordel. Je crois que Dubaï serait vraiment, hein, il paraît qu'ils seraient au courant de beaucoup de choses. Dubaï, ils seraient en train de. Et ça serait pour ça qu'il y en a beaucoup qui partiraient de Dubaï en ce moment. Donc, on me dit, on verra bien à faire à suivre, hein, on verra bien qui part, qui reste, qui s'en va, donc voilà. Donc, je voulais juste vous dire que, bah, ils avaient des maisons pourries. Voilà, ils avaient des maisons qui prennent l'eau et des maisons que s'ils y vont tous, et bah, ils perdent tous leurs maisons. C'est des maisons en kit. Voilà. Et ben voilà, moi j'ai pas plus à vous dire. Je vais juste vous dire, vous mettre au courant que n'allez pas acheter des maisons à Dubaï. Ou faites attention aux matériaux qui vont mettre dans votre maison. Hein. Vous leur demandez les matériaux anti-flotte, anti-humidité. Hein. Voilà. Hein. Et ben voilà. Et ben si t'as bien aimé cette vidéo, ben, tu me laisses un petit abonnement. Hein. Et puis ben, un petit like aussi. Hein. Et puis bien sûr, un petit commentaire. Toujours respectueux, le petit commentaire. Et puis en même temps, pour ceux qui sont habitués, hein, vous laissez un petit emoji, comme ça je vois que vous regardez mes vidéos en entier. Et puis lesquels sujets qui vous intéressent le plus. Et puis bien sûr, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, soit de passage ou qui viennent de s'abonner, bah, si vous laissez un petit commentaire, bah, laissez un petit emoji, homme ou femme, pour savoir avec qui j'interagis. Voilà. Et ben moi, je vous fais d'énormes bisous, hein. Et puis je vous dis encore merci à tous les nouveaux abonnés. Merci vraiment, merci à tous ceux qui laissent des commentaires, à tous ceux qui likent, franchement. Merci pour tous les commentaires gentils et votre soutien. Merci beaucoup. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bisous, bisous.